Combat continue aux abords de Soledar, le dernier village envahi par l'armée russe en Ukraine. La capture de cette bourgade de 10 000 habitants est présentée comme une victoire par Moscou. Au micro de Russia 1, Vladimir Poutine a salué ce succès. La dynamique de l'opération militaire en Ukraine est positive. Tout se déroule conformément au plan du ministère de la Défense et de l'État-major général. J'espère que nos combattants nous feront plaisir avec les résultats de leur travail de combat plus d'une fois. Pour autant, cette avancée n'est pas la panacée pour l'armée russe. Parmi les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les hommes de Moscou en Ukraine, on compte notamment les tensions entre l'armée régulière et les soldats de la société militaire privée Wagner. Dans une récente interview, l'homme d'affaires à la tête de ce groupe paramilitaire, Evgeny Prigojine, a vanté les mérites de ses troupes dans un message interprété par certains comme une critique indirecte de la discipline de l'armée régulière russe. Wagner a un système de commandement perfectionné. Dans l'entreprise privée Wagner, on entend tout à chacun. N'importe qui peut donner son avis, tout le monde sur le terrain est entendu. Une fois qu'une décision est prise, toutes les tâches sont remplies, personne ne peut s'en esquiver. Une discipline féroce nous donne ces opportunités. Face à ce succès, les Occidentaux insistent sur leur soutien à l'Ukraine, notamment en termes d'approvisionnement en armes lourdes. Après l'annonce samedi de l'envoi des premiers chars lourds par les Royaumes-Unis, d'autres pays devraient suivre, selon le secrétaire général de l'OTAN. Les récentes promesses de livraison d'armements lourds sont importantes et je m'attends à ce qu'il y en ait davantage dans un futur proche. De son côté, Vladimir Poutine a dénoncé l'arrivée d'armes lourdes occidentales en Ukraine et a assuré qu'elles brûleront sur le champ de bataille. Les Occidentaux qui s'obstinent à livrer davantage d'armes à l'Ukraine faisant fi des menaces russes. Après plusieurs mois de refus, hier l'OTAN a réaffirmé son intention de livrer davantage d'armes lourdes à l'Ukraine. Plusieurs États occidentaux, la Grande-Bretagne, la Belgique ou encore les Pays-Bas avaient déjà annoncé l'envoi d'armements lourds à Kiev. Pourtant, il existe des États où la chose semble moins évidente. En Allemagne par exemple, où la question divise, l'Allemagne qui jusque-là avait hésité à aider l'Ukraine vient de changer de doctrine. La question de livrer des armes lourdes à Kiev n'est désormais plus tabou, selon la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Entre-temps, on apprend ce lundi que la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a démissionné pour des raisons liées à sa gestion. L'Allemagne, la position de l'Allemagne, si vous voulez, par rapport à la livraison d'armes, est une position souvent ambiguë au regard de son histoire et de son passé encore récent, si on fait référence, si vous voulez, à la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne le conflit ukrainien, nous avons derrière la Russie, et je rappelle que pendant la période du pouvoir de Madame Merkel, les relations germano-russes étaient très proches et constructives entre Madame Merkel et Monsieur Poutine. En ce qui concerne la livraison d'armes de l'Allemagne, le chancelier Scholz, si vous voulez, prend une autre posture, il s'interroge, il sait que Washington, si vous voulez, pousse à la consommation de ce genre de matériel, on devrait dire de cisternes d'armes et pas uniquement d'armes, oui. Si vous voulez. Et en fait, vous vous êtes confronté, si vous voulez, aussi à une politique allemande en ce qui concerne l'armement, où elle se retrouve aussi en concurrence avec d'autres pays européens. Il faut dire, ces derniers temps, l'Allemagne est très préoccupée par ce conflit qui se trouve quasiment à ses portes, oui. Et en même temps, sa posture qui, au niveau international, je rappelle que le pays n'a pas non plus de siège permanent au Conseil de sécurité et forcément elle agit sur la retenue. Je pense que l'Allemagne, sans vouloir le dire, est en négociation secrète sur le plan diplomatique avec la Russie et que par conséquent elle ne souhaite pas aller beaucoup plus loin en ce qui concerne la livraison d'armes. Et force est de constater qu'au niveau européen, vous avez moins de visites à Kiev auprès du président Zelensky, chose qui est, il y a bien un changement des Européens où il y a un début de réflexion. En ce qui concerne ce conflit en tout cas. Et en même temps, on s'aperçoit aussi que par rapport à l'Ukraine, je rappelle que M. Scholz, avec la Russie, a des engagements sur le plan industriel. Il y a des contrats, il y a des marchés entre l'Allemagne et la Russie qui sont importants. Et l'Allemagne, si vous voulez, économiquement parlant, est une puissance industrielle. Oui. Elle a une économie qui est peu plurielle par rapport à la France, si vous voulez, où elle ne pourrait pas s'engager de manière supplémentaire. Ce serait, entre guillemets, pour les Allemands, le pas de trop. Elle est limitée par
les traités internationaux en ce qui se concerne les capacités d'armement, mais elle est aussi illimitée sur le plan économique, où je rappelle que les Européens, les Français en ont souvent parlé, puisque ce sont des États de droit et des puissances de droit, on a quand même, on est à deux pas de la co-belligérance, si vous voulez, quelque part. Oui. Donc, c'est pour ça que le monsieur Scholz avance avec prudence sur ce dossier. Oui. Il donne des éléments de langage et fait finalement, quand on regarde bien, il fait cavalier seul par rapport aux Britanniques et aux Français. Et monsieur Scholz, je rappelle que son armée est entre guillemets sous-dimensionnée par rapport à éventuellement la superficie de son territoire. Oui. Finalement, ce dossier ukrainien divise de plus en plus les Européens, ou même on va avoir tôt ou tard une querelle de leadership entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et ce soir, on a déjà une posture de l'Allemagne avec monsieur Scholz, oui, qui nous donne des orientations où on aborde déjà bientôt le 11e mois de conflit, si vous voulez. Donc il y a quand même un message, on va, j'ose pas dire de rupture, mais sur le plan de la posture allemande, qui est important à prendre en compte dans la future stratégie et des relations à établir avec monsieur Poutine, en tout cas. L'Allemagne va-t-elle livrer des chars à l'Ukraine ? Le ministre de la Défense britannique demande à Berlin de fournir à Kiev des Léopard 2. Londres confirme l'envoi de 14 chars dans les prochaines semaines. C'est le premier pays occidental à le faire. Ces armes sont déjà sur le terrain, comme ici près de Lugansk. Nous sommes clairement impressionnés par les résultats. Je ne veux pas fanfaronner, mais nous avons frappé des cibles importantes, y compris l'infanterie ennemie. Tout va bien, on fait notre travail. Le président ukrainien remercie la Grande-Bretagne pour son engagement. Volodymyr Zelensky met en garde contre le passage à une nouvelle phase de la guerre. Ce qu'il s'est passé à Dnipro, le fait que la Russie se prépare pour reprendre l'initiative dans la guerre, le fait que la nature des combats sur le front exige de prendre de nouvelles décisions pour approvisionner la défense, tout cela ne fait que souligner l'importance de coordonner nos efforts, les efforts de tous les membres de la coalition pour défendre l'Ukraine. Une centaine de soldats ukrainiens est arrivé à Fort Sill, dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Ils vont être formés au système de défense antimissile Patriot, une protection longtemps réclamée par Kiev pour se protéger contre les attaques de missiles de la Russie. Les combats sont toujours très intenses autour de la ville de Soledar, à l'est. Des volontaires évacuent des civils coincés par la guerre, comme ici une femme en fauteuil roulant et une petite fille de 5 ans. Les opérations d'évacuation sont compliquées par les bombardements. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la démission hier de la ministre allemande de la Défense. Oui, Christine Lambrecht était fatiguée de se battre contre les médias. Hein. C'est pas une désertion, c'est un soulagement. Les deux tiers des Allemands ne supportaient plus ces bourdes. En février, quand les Ukrainiens réclament des armes lourdes, elle propose de leur envoyer des casques lourds. Elle part en vacances avec son grand-fils dans un hélico militaire. Elle met des escarpins pour crapahuter au Mali. Et il y a 15 jours, ses vœux de nouvel an sont l'apothéose de sa carrière. Dans la rue, au milieu des pétards et du feu d'artifice, elle se réjouit. Elle fait un selfie d'abord pour parler de la guerre qui fait rage au cœur de l'Europe, et là elle se réjouit d'avoir fait beaucoup, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables, et pour ça je dis grand merci. C'est Marie Chantal dans les tranchées, on se croirait sur un plateau de télé, elle est ridicule, et avec elle, c'est l'Allemagne qui semble incapable de se hisser à la hauteur de l'histoire. Alors elle a tenu un an, Christine Lambrecht. Hein. Oui, et dommage pour elle, c'est l'année où la guerre est revenue frapper à la porte. En Europe, ministre de la Défense, c'est un job prestigieux mais facile. Il y a peu de réformes à défendre au Parlement, il faut juste batailler pour maintenir le budget, l'administration est docile, l'état-major dorlote le ministre, être le représentant à l'export des industries de défense donne l'occasion de voyager dans des pays exotiques, passer les troupes en revue en prenant un air sévère et compter les galons, eh bien ça s'apprend et c'est pas épuisant, la tour des bivouacs, la balade en hélico, en blindé, en frégate, en sous-marin, etc. C'est le théâtre aux armées, surtout quand la ministre aime se mettre en scène du genre femme mais en treillis, ou la variante en Rangers mais toujours femme, depuis la défaite des nazis
ministre de la Défense en Allemagne relevait de l'emploi fictif, un peu comme ministre des Affaires Sociales à Monaco. Même Ursula von der Leyen, qui a laissé derrière elle des factures extravagantes de cabinets de consultants privés, même elle a semblé à la hauteur. Ah oui, elle a été ministre de la Défense d'Angela Merkel. Alors la République fédérale, Vincent, rejette la guerre. Oui, en 1999, les Américains et l'OTAN l'ont enrôlé au Kosovo et la Luftwaffe a bombardé Belgrade, comme jadis. La France a eu plus de mal quand elle a réclamé un coup de main au Sahel. Depuis 70 ans, les soldats allemands tuent l'ennui, mais pas l'ennemi. La guerre en Ukraine va sans doute les réveiller. Olaf Scholz a mis 100 milliards sur la table, de quoi s'équiper aux États-Unis et à terme, la Bundeswehr sera l'armée la plus puissante d'Europe, avec l'industrie de défense qui va avec. En attendant, ce qui angoisse ce matin Berlin, c'est de savoir si le gouvernement Scholz va respecter la parité. La question paraît oiseuse, mais elle souligne une singularité européenne. Il y a 193 pays à l'ONU, et une femme ministre de la Défense au Nicaragua et une autre en Australie. Aucune en Asie, aucune en Afrique. Alors qu'en Europe, eh bien, c'était banal. Mais elles ont été évincées dans les pays scandinaves, les pays baltes, les Balkans, comme au Royaume-Uni ou en Italie. Il en reste en Espagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Slovénie. Normal, l'Europe, c'est la paix, tout le monde sait ça. Du moins, ça l'était, ça paraît moins sûr. Merci beaucoup, Vincent Hervouet. L'organisme international de surveillance nucléaire a déclaré que sa priorité en Ukraine était d'assurer la sécurité et la sûreté de toutes les centrales nucléaires du pays. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a fait ses commentaires lors d'une visite dans une centrale nucléaire du sud de l'Ukraine. Monsieur Grossi a également déclaré que son personnel serait stationné en Ukraine en permanence afin de faciliter le soutien technique. La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, était déconnectée du réseau électrique national le 17 octobre. Elle est désormais sous le contrôle de la Russie, mais exploitée par du personnel ukrainien. Certaines des centrales nucléaires ukrainiennes ont été partiellement fermées en raison des coupures de courant provoquées par le conflit. C'est une première depuis 60 ans. La population chinoise est en baisse. Pays le plus peuplé du monde, la Chine vieillit alors que ses taux de natalité et de fécondité diminuent. 1,15 enfants par femme en 2021, alors que le seuil de renouvellement des générations est à 2,1. À la fin de 2022, la population nationale était de 1,41 milliard de personnes, soit une diminution de 850 000 par rapport à celle de la fin de 2021. Le nombre de naissances a été de 9,56 millions. Pour les Chinois, à Pékin et à Shanghai, cette chute de la croissance démographique était inévitable. Avoir des enfants n'est plus au centre des préoccupations dans la Chine moderne. Pour ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 80, nous sommes plus nombreux à être des enfants uniques. Il y a beaucoup de pression lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses parents et d'améliorer sa qualité de vie à l'avenir. Il y a beaucoup de pression pour avoir des enfants. Qui ose avoir des enfants? Le taux de chômage est si élevé, le Covid a tout détruit, il n'y a rien à faire. L'année prochaine, nous aurons à nouveau une croissance en baisse. Cette chute de la population devrait avoir des répercussions profondes sur l'économie chinoise. Des mesures ont déjà été prises pour inciter les couples à faire des enfants. Des primes de natalité pouvant aller jusqu'à 1400 euros ou des congés maternité fortement rallongés. Bonjour, bienvenue dans cet entretien exclusif que l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso a accordé à la chaîne. Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai été reçu hier par son Excellence, monsieur le Premier ministre du Burkina Faso. Nous avons discuté un large éventail des questions de la coopération bilatérale. Les relations étaient toujours au bon niveau. Il n'y avait pas de réticence de la part du gouvernement russe vis-à-vis notre partenaire Burkina Faso, le Burkina Faso. Nous avons des relations qui datent des années 60. Nous continuons
à soutenir les efforts du gouvernement burkinabé en première tête dans le domaine de l'éducation. Nous octroyons chaque année un nombre de bourses qui sont utilisées par des étudiants burkinabés qui vont faire leurs études dans mon pays de formation militaire. À ma connaissance, il y a à peu près 90 voire plus des stagiaires militaires qui sont en études à Moscou. Il y a quelques années de ça, nous avons effacé la dette burkinabé. C'était un geste très important, symbolique, dans nos relations bilatérales. Oui, indéniablement, le défi logistique est énorme déjà. Donc, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, bientôt le troisième du monde d'ici 2050. Donc ça veut dire déjà qu'il y a à gérer plus de 96 millions d'électeurs. 10 millions de plus que lors du dernier scrutin présidentiel en 2019. C'est déjà en soi un défi technique, vous pouvez bien l'imaginer, dans un pays qui est par ailleurs en proie à une crise économique, un défi technique absolument énorme. En plus de ça, il y a des zones du pays, notamment dans le nord-est où sévit le groupe Boko Haram, et dans le nord-ouest où il y a beaucoup de banditisme rural, il y a des zones où il y a tout lieu de penser qu'on ne pourra pas installer tout simplement de bureau de vote. Et donc là, la commission électorale fera sans doute, comme elle l'a fait lors des précédents scrutins, par exemple dans le Borno, qui est le fief de Boko Haram, ils avaient mis en place des bureaux de vote dans des camps déplacés. Donc ça permettait de respecter la loi électorale en prétendant que les collectivités locales affectées par les conflits, et bien que la population déplacée allait voter en dehors de leur terroir original, mais que du coup l'ensemble du territoire national était représenté dans le scrutin, même si effectivement on ne pouvait pas installer des bureaux de vote dans les zones les plus compliquées d'accès. Il y a également des tensions séparatistes dans le sud du pays. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, on a comme l'impression que l'insécurité elle est générale au Nigeria. Oui, alors il y a aussi des problèmes dans le sud, mais ils ne sont pas exactement de même nature. Il n'y a pas ce problème d'accès qu'il peut y avoir dans des zones sahéliennes, rurales, très difficiles d'accès, notamment dans le nord-est, autour de la collectivité locale de Marté, vers la frontière du Niger, ou dans l'état de Sokoto, au nord-ouest. On n'est pas exactement dans le même genre de problématique. Donc dans le sud, là, en revanche, on a des problèmes qui tiennent à des assassinats politiques, des violences contre les membres de la commission électorale lorsqu'ils essayent de mettre en place justement les bureaux de vote ou aussi d'installer les urnes. Il y a déjà eu quelques attaques en ce sens, mais c'est d'une nature un petit peu différente de ce qui se passe dans le Nord. Elle est toujours considérée comme la dernière poche de résistance à Bachar al-Assad. La ville d'Idlib abrite 3 millions d'habitants. Parmi eux, il y a bien sûr des nombreux combattants. Ils se battent contre l'armée syrienne, mais aussi parfois entre groupes djihadistes. Bonjour Wassim Nas. Bonjour. Vous avez appris la mort d'un combattant français originaire de la ville de Nice. Absolument. Donc, il y a un combattant français, son nom de guerre Abou Hamza, originaire de la ville de Nice, qui a été tué lors d'un affrontement avec l'armée syrienne. Là, ce sont des images exclusives de son enterrement. C'est assez inédit qu'on ait les images d'enterrement d'un djihadiste français sur zone. Donc, tous ceux qu'on voit autour de lui, on voit Omar Homsen, qui tient aussi le linceul, et tous ceux qu'on voit autour de lui font partie en majorité, c'est pas que, mais en majorité du groupe d'Omar Homsen, et en majorité ce sont des Français. Parmi les djihadistes qu'il avait recrutés, certains ont rejoint les rangs de l'État islamique, certains ont fait partie des équipes qui ont fait l'attaque du 13 novembre 2015 ici même à Paris. Il appelle évidemment à rejoindre la Syrie pour se battre. Les dernières arrivées dans ses rangs, c'était en 2021, c'était pas il y a si longtemps que ça, deux djihadistes français. Maintenant, il conseille plutôt d'aller vers l'Afghanistan, par exemple, parce qu'il estime que les talibans sont l'autorité légitime aujourd'hui et qu'il est proche d'eux idéologiquement et que la Syrie n'est pas un terrain propice pour venir se battre en Syrie. Mais
Nouvelle provocation du Hamas. Le groupe terroriste au pouvoir à Gaza choisit sciemment le jour de la passation de pouvoir à l'état-major de l'armée israélienne pour publier une vidéo de l'otage Avera Mengistu sur Internet. Des messages insultants à l'encontre d'Aviv Kohavi et de son successeur enveloppent la vidéo du jeune homme détenu dans la bande côtière. Les propos sont signés des brigades Al-Qassam, le bras armé du Hamas. Je suis le prisonnier Avera Mengistu. Combien de temps vais-je rester ici, en prison, moi et mes amis? Après tant d'années douloureuses, que fait l'État d'Israël de notre sort? Où est le peuple d'Israël? La vidéo non datée montre un jeune homme identifié par le Hamas comme Avera Mengistu. Les images non vérifiées du citoyen israélien sont les premières depuis sa capture en 2014. Aucun détail sur la santé de l'homme de 36 ans n'a été divulgué. Avera Mengistu, qui selon sa famille souffre de problèmes de santé mentale, est entré à Gaza en 2014 et est détenu en captivité depuis. Il semble qu'Avera Mengistu soit entré à Gaza de son plein gré, et ce, pour des raisons inconnues. Le bureau du Premier ministre a déclaré en réponse à la diffusion de la vidéo qu'Israël investit toutes ses ressources et tous ses efforts pour amener chez lui ces hommes capturés et disparus. En juin dernier, le Hamas a distribué une vidéo séparée montrant un deuxième civil israélien retenu captif. Le Hamas détient deux civils israéliens et les corps de deux soldats tués lors de la guerre entre Israël et Gaza en 2014. Qui sont les acteurs du scandale de corruption qui secoue le Parlement européen? Le cerveau de l'affaire serait Pirantono Panzeri, ancien eurodéputé aujourd'hui en prison. Il est accusé de corruption et de blanchiment d'argent. L'ex-parlementaire italien est soupçonné d'avoir lancé l'ONG Fight Impunity dans le but de payer de fortes sommes d'argent ou d'offrir des cadeaux à des personnalités capables d'influencer le Parlement européen. Francesco Giorgi est l'autre figure de ce scandale, ancien assistant parlementaire de Pierantonio Panzeri. Sa déposition auprès des enquêteurs indique que ce système de corruption aurait débuté en 2018 lorsque son eurodéputé a décidé de travailler pour le Qatar. Il l'affirme car il agissait en tant qu'interprète pour Pierantonio Panzeri qui ne parle qu'italien. Francesco Giorgi est lui aussi en détention. L'assistant parlementaire est paxé depuis 2016 avec l'eurodéputée grecque Eva Kaili, déjà membre du Parlement européen lors de leur rencontre. Elle a gravi les échelons politiques pour devenir vice-présidente de l'hémicycle. Bénéficiant de l'immunité parlementaire, la seule façon de l'arrêter était de la prendre en flagrant délit. Ce fut chose faite le 9 décembre lorsque la police a découvert dans son appartement 150 000 euros. Elle est actuellement en prison. Son père, arrêté lui aussi le mois dernier avec une valise pleine de cash, a finalement été libéré dans les heures qui ont suivi son interpellation. Niccolò Figa Talamanca est lui aussi impliqué dans le scandale. Il est le secrétaire général d'une autre ONG, No Peace Without Justice, par laquelle aurait circulé l'argent des pays prétendument corrupteurs. La justice belge a annulé la décision de le laisser en liberté avec un bracelet électronique. Le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, Luca Vicentini, reconnaît avoir reçu 50 000 euros en cash de l'ONG comme donation pour sa campagne électorale. Il a été libéré sans charge, mais doit informer les autorités s'il devait quitter l'Union européenne. Deux autres eurodéputés sont dans le viseur de la justice. La procédure est en cours au Parlement pour lever leur immunité. Il s'agit d'Andrea Cozzolino, ancien président de la délégation de l'hémicycle en charge des relations avec le Maghreb et donc des liens avec le Maroc. Or Rabat est soupçonné d'être impliqué dans ce scandale de corruption. Enfin, le Belge Marc Tarabella réfute avoir reçu de l'argent pour défendre les intérêts du Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde de football. Quatre personnes sont actuellement en prison et deux eurodéputés sont en passe de perdre leur immunité. Mais l'affaire pourrait ne pas en rester là puisque l'enquête est toujours en cours. Que serait la Commission européenne sans Davos ou Soros? On se pose la question. Le 22 avril 2020, le milliardaire George Soros avait suggéré à Ursula von der Leyen, la présidente de l'administration européenne, de créer une immense dette perpétuelle pour répondre aux besoins de cette guerre du Covid. Il avait ajouté que l'Union européenne pourrait se rompre si elle ne le faisait pas. Avantage du procédé, disait-il, les emprunts perpétuels n'ont jamais besoin d'être remboursés. Il suffit de payer les intérêts. Doit-on croire un milliardaire qui vous dit « signez-la
vous n'aurez jamais besoin de rembourser. Ursula a-t-elle été influencée? Je ne sais pas. Je note simplement qu'on entend désormais depuis 1 ou 2 ans à Bruxelles des chiffres astronomiques pour les plans de relance. Des chiffres qui donnent le vertige et des montages incompréhensibles à 385, 800, 1000, 2000 milliards d'euros. J'ai regardé le programme de la réunion cette semaine du Forum économique mondial à Davos et j'ai trouvé qu'une ribambelle de commissaires européens faisait le déplacement. Notamment Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a donc préféré aller en Suisse ce mardi à 11h, converser une demi-heure sur le sujet de son choix avec Klaus Schwab, le grand Manitou de Davos, le pape du Great Reset. À l'aller, elle ne s'arrêtera pas en chemin à Strasbourg au Parlement européen, où elle aurait risqué de voir répondre aux questions dangereuses des parlementaires sur la pénurie de médicaments ou l'inflation des prix de l'alimentation. Au retour, elle visitera le Parlement européen à Strasbourg mercredi pour les questions politiques. C'est dommage. Si elle était restée un tout petit peu plus à Davos, elle aurait eu l'opportunité d'assister à une session du Forum économique mondial sur la transparence dédiée à la lutte contre la corruption qui érode la confiance du public et détourne les fonds de là où ils sont vraiment nécessaires. C'est à 15h mercredi. À Davos, on ne sait pas si Ursula rencontrera les PDG de Moderna et de Pfizer. En tout cas, ils seront aussi à Davos cette semaine et interviendront respectivement mercredi et jeudi, prenant prétexte de la préparation aux futures pandémies. Rappelons qu'Albert Bourla, le PDG de Pfizer, qui avait annoncé l'année dernière à Davos un excédent de 7 milliards de doses de vaccins Covid, il planchera jeudi, pour ceux qui veulent le suivre, de 9h à 9h45 sur le sujet suivant. 100 jours pour dépasser la prochaine pandémie. Albert Bourla, le PDG de Pfizer, traversera donc l'Atlantique, 6438 km entre New York et Davos, mais il s'interdit de faire les 372 km restants pour venir répondre aux questions des députés européens sur près de 40 milliards de contrats de vaccins Pfizer. L'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, sera là lui aussi. On ne sait pas trop pour quelle raison, ni quelle est sa compétence en termes de pandémie. Est-ce peut-être grâce à son expérience de la désinformation? On se souvient tous de la polémique au sujet des armes de destruction massive qui auraient justifié le lancement de la Seconde Guerre en Irak. Ceci dit, pour finir sur une note positive, tous les gourous réunis à Davos ont-ils vraiment la même influence? Quand je vois que la dernière présentation cherche à identifier les politiques économiques nécessaires pour stabiliser mondialement et qu'elle réunit notamment notre élégant ministre de l'économie Bruno Le Maire, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne et Kristalina Georgieva, l'ancienne commissaire de Bruxelles aux ressources humaines, désormais à la tête du FMI, si chère à Dominique Strauss-Kahn. Quand je vois toute cette brochette d'experts, que peut-il sortir d'une telle réunion? Quelles feuilles de route vont-ils mettre en place pour l'avenir de nos enfants? En tout cas, les médias établis ne vous le diront pas. Elon Musk a décliné l'invitation qu'il avait reçue de se rendre au Forum de Davos. Du coup, mauvais joueur, Klaus Schwab a décidé que Twitter ne ferait plus partie des réseaux sociaux référencés par le Forum. C'est une médaille d'honneur pour les combattants des libertés. Quel bel exemple! Je voulais vous parler de ce Forum de Davos dont on nous rebat les oreilles tous les ans. C'est quoi le Forum de Davos? Bien, c'est la réunion de tous les grands de ce monde, les multinationales, tous ceux qui ont tout réussi. Une inflation démesurée qui épuise les peuples, la guerre en Ukraine et la surenchère en Ukraine, la gestion calamiteuse du Covid, les effets indésirables des vaccins qu'ils ont voulu généraliser et imposer au monde, l'appauvrissement, le fameux grand reset. Vous voyez bien que ce qui se trame à Davos est extrêmement grave. C'est en fait l'oligarchie mondiale qui manipule les chefs d'État, qui s'y rendent comme des petits garçons pour rendre des comptes. Mais ce système craque de partout, car encore une fois, à un moment, trop c'est trop. Et le fait qu'un milliardaire comme Elon Musk, qui se rendait dans ses aéropages, dise tout cru ce que c'est et qu'il refuse d'y aller, eh bien, je pense que c'est un signal très positif. Et il se passe quelque chose dans le monde aujourd'hui. Leur vision autoritaire,
leur façon de dresser les peuples les uns contre les autres, leur façon de diviser les nations, leur façon de vendre leur mondialisation totalement inhumaine, eh bien montre que ça a échoué. Alors, ils continuent, ils ont à leur service des pantins. Je pense à M. Trudeau, je pense à M. Macron, je pense aux uns et aux autres, mais les pantins sont de plus en plus désarticulés et les peuples deviennent lucides. Alors, je suis toujours très méfiant sur les milliardaires qui achètent des réseaux sociaux ou des radios et des télévisions. Mais il faut reconnaître que depuis que Musk a racheté Twitter, eh ben, soudain, la liberté de parole sur Twitter, eh ben, elle est revenue. Et on découvre des choses effarantes. On découvre sur les études McKinsey, on découvre la toile, l'organisation quasi mafieuse qui veut régenter le monde et qui le pille. Ça veut dire que devant nous, il y a deux choses, deux défis gigantesques. Le premier défi, c'est de restaurer la souveraineté des États, parce que c'est au niveau de la nation qu'il y a la démocratie. Et puis le deuxième défi, c'est de renforcer et de soutenir les chefs d'État, les grands patrons d'entreprise, ceux qui résistent, les médias qui résistent, c'est-à-dire de mettre en place une coopération de ceux qui refusent ce totalitarisme mondial, de ceux qui ont compris la manière dont il fonctionne, de ceux qui, du simple citoyen aux dirigeants, ont compris qu'il fallait changer tout, changer de logiciel. Voilà, c'est un vaste débat, mais c'est la question clé. Et voilà pourquoi nous devons tout faire en France pour refuser la réforme des retraites. J'espère que vous manifesterez pacifiquement jeudi. Nous devons tout faire pour montrer qu'une autre voie est possible dans le calme, la sérénité, sans les excès de la France insoumise, car on cherche, le système bien sûr, cherche à nous enfermer dans le choix, soit on se soumet à Macron, soit on est des casseurs. Eh bien entre les deux, il faut trouver la juste voie qui montre qu'on peut réconcilier les Français autour de grands objectifs et qu'on peut réconcilier les nations autour de la paix et de la prospérité. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour Benjamin. Le coup d'accélérateur sur le nucléaire, puisque le projet de loi arrive aujourd'hui au Sénat, quels sont les enjeux et les objectifs? Bon, d'abord le contexte, hein. Vous vous souvenez sans doute que lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait négligé, c'est le moins qu'on puisse dire, le secteur nucléaire. Il avait fermé Fessenheim officiellement en 2020. Alors ce fiasco avec la crise énergétique et l'insuffisance notoire des énergies renouvelables, bah tout ça a conduit en février 2022 à Belfort, vous vous souvenez peut-être ce discours, le chef de l'État a annoncé une relance du secteur nucléaire dans notre pays. Alors une façon évidemment de reconnaître ses erreurs sur le nucléaire, comme celle d'ailleurs de ses prédécesseurs. L'objectif de cette loi est simple, il s'agit de relancer la construction en allégeant les procédures administratives, on en est qu'aux prémices, la construction de 6 générateurs de nouvelle génération plus 8 chantiers. Les générateurs, ça vous dit peut-être quelque chose Patrick, sont les fameux EPR. Alors quand je dis EPR, évidemment on est tout de suite dubitatif parce qu'on a en tête l'EPR de Flamanville, vous souvenez sans doute qu'il devait être livré en 2012, mais qu'il ne sera pas avant 2024, avec à la clé un surcoût pour les contribuables de 10 milliards d'euros. Donc c'est bien de relancer la filière nucléaire avec des EPR, mais on veut voir si ça marche. Bon, cette loi nucléaire veut donc relancer en France cette énergie, des EPR, mais pas à l'horizon 2037-2040. Bon, on vient de s'apercevoir évidemment de l'importance de l'énergie en France. On peut se le dire entre nous, quel gâchis quand même depuis des décennies et des années. Alors politiquement, qui pourrait voter un tel projet à l'Assemblée nationale? Alors parce que là, on est au Sénat pour l'instant. La gauche est divisée. Le débat entre énergie renouvelable et nucléaire n'a jamais cessé. Voilà, on est au Sénat ce matin. Il n'y a pas de date d'ailleurs pour cette loi devant l'Assemblée nationale. On en est qu'aux prémices. Vous avez raison. L'autre aspect, c'est l'aspect politique. Alors si le gouvernement, par exemple, utilisait le dernier 49.3 qui durait sur cette session pour faire voter la loi sur l'immigration, il aura besoin, le gouvernement, d'appui à l'Assemblée nationale pour faire voter cette loi sur le nucléaire. Alors a priori comme ça, les Républicains, les LR et le PCF, le Parti communiste français, historiquement pro-nucléaire avec la CGT, ces deux partis avec quelques socialistes pourraient voter cette loi. Mais attention, les LR vont faire monter la pression, parce que ils pourraient exiger, par exemple, vous vous souvenez que la fameuse
mixité, le mix énergétique, 50% de nucléaire et le reste en énergie renouvelable, bah que ce concept qui a montré ses limites ne fasse pas partie de la loi. Ouais. La loi LR pourrait l'exiger. Il pourrait aussi exiger cette décision qui avait été prise sous François Hollande et qui nous interpelle évidemment, c'est la fermeture de 12 réacteurs nucléaires qui est toujours programmée. Donc créer des nouveaux générateurs, mais en continuant de ne pas fermer les réacteurs existants, ce serait quand même une bonne mesure. Est-ce que, plus globalement, Éric Revel, on peut dire que l'on possède avec cette loi nucléaire donc une vision stratégique pour la France ? Alors, c'est le dernier aspect que je voulais aborder ce matin, Patrick. Quelle vision, effectivement, stratégique cette loi nucléaire porte-t-elle ? Quel est le cap en matière d'énergie ? Quelle place pour les énergies renouvelables ? Alors, j'ai été sympathique ce matin, j'ai dit qu'on n'en était qu'aux prémices. Mais quand même, le cap, la stratégie de l'énergie en France, c'est la vraie question. Bon, bah, pour l'instant, on va se le dire aussi, on a l'impression que le gouvernement et Emmanuel Macron courent plutôt après le temps perdu et les erreurs commises et accumulées en matière d'énergie par lui et ses prédécesseurs. Une loi, à mon sens, que je qualifierais pour l'instant, une loi de circonstance, mais pas une loi qui porte une vision stratégique. Merci, Éric. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Vous revenez, Elisabeth Lévy, sur cette décision de la fin de semaine dernière. C'est la justice administrative qui a ordonné le démontage d'une statue de la Vierge Marie sur l'île de Ré, la flotte en Ré précisément. Oui, en fait, le déplacement, en réalité. Oui. Alors, cette statue, qui porte la mention « vœux de guerre », a été commandée par une famille qui était reconnaissante, parce que le père et le fils étaient revenus vivants de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été d'abord exposée dans un jardin privé, ensuite offerte à la commune en 83, qui l'a installée à un carrefour. Et cette statue a été surélevée sur ce carrefour en 2020, et ça a dû énerver la libre pensée Charente-Maritime, qui a donc dénoncé une atteinte à la laïcité et déposer un recours devant la justice. La Cour d'appel administrative de Bordeaux a donc confirmé la semaine dernière la décision du tribunal administratif de Poitiers. La Cour admet que la commune n'avait pas l'intention d'exprimer une préférence religieuse. Cependant, dit-elle, la figure de la Vierge Marie étant un personnage important de la religion chrétienne, non sans blague, la statue présente par elle-même un caractère religieux. En vertu de la loi 1905, elle ne peut pas rester sur le domaine public. C'est le droit, paraît-il, sauf que vous le savez bien, Patrick, le droit, c'est une affaire d'interprétation et je ne suis pas sûr que les juges en auraient fait une lecture aussi stricte avec, par exemple, un symbole musulman. Ah bah là, c'est vous qu'on entendrait râler, alors, hein ? Oui, peut-être, c'est qu'au-delà du droit, oui, il y a l'histoire, la culture, l'expérience sensible. Les musulmans, les juifs, les athées et les autres sont bien entendu des citoyens égaux, mais l'islam et le judaïsme et les autres religions minoritaires n'ont pas le même statut que le catholicisme dans notre pays. Bien sûr, ils ont ajouté leur grain de sel, mais le catholicisme, c'est notre fond de sauce commun. Nous sommes tous un peu des catho-zombies, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Todd. C'est notre histoire, c'est nos clochers. Et par exemple à Marseille, vous savez, tout le monde aime la bonne mère, pas seulement les catholiques. Alors certes, vous me direz que la France, c'est aussi les bouffeurs de curés. Seulement ceux-là, ces bouffeurs de curés de la libre pensée, ont 100 trains de retard. Ils se trompent de curé parce que ce ne sont pas des cathos qui menacent aujourd'hui la liberté de penser et veulent embrigader les croyants et les séparer du reste de la société. Et pourtant, le seul séparatisme qui inquiète nos libres penseurs, c'est celui qu'ils imputent aux écoles catholiques, ils sont monomaniaques. Et d'ailleurs, allez voir sur leur site, c'est presque drôle. Vous tombez sur le premier article, c'est « L'Église doit payer, l'Église peut payer ». Il y a des tartines sur les abus sexuels, les turpitudes de la monarchie, bref, écrasons l'infâme, comme disait Voltaire. Derrière ce fatras très vintage, en réalité, ce sont des islamo-gauchistes standards, parce que sur la loi séparatisme, par exemple, de quoi que nous disent-ils ? Eh bien, ils parlent d'ignominies racistes qui sont faites au nom de la laïcité. En fait, comme Mélenchon ou comme Cohn-Bendit, ces mal nommés libres censeurs veulent déconstruire l'identité française, c'est leur droit. On peut tout de même trouver fâcheux que la justice leur donne un coup de main.